Trouver l'amour en 2023, cessez de prendre des pseudo-bonnes résolutions et agissez. Bonjour à toutes et à tous, je me réjouis de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons décortiquer les trois clés qui vont vous permettre d'attirer la bonne personne cette année enfin. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Bénédicte Anne, votre love coach depuis la fin des années 80. J'accompagne les hommes et les femmes qui ont jusque-lors galéré en amour à attirer directement la bonne personne en évitant toutes les cases d'auto-sabotage, de toxicité et de méconnaissance des nouvelles règles du jeu amoureux. Pour cela, je publie au minimum 2 vidéos par semaine pour vous aider à trouver votre chemin dans cette nouvelle jungle des rencontres. Si vous ne l'avez pas déjà fait, bien sûr, abonnez-vous à ma chaîne, vous trouverez le lien ci-dessous. Et je vous rappelle que j'organise 2 événements importants. Lundi 16 janvier à 20h au Café de l'Amour de Paris, il y aura un café tantra. Et si vous habitez en région parisienne, vous êtes naturellement les bienvenus pour expérimenter cette approche spirituelle qui change la vie amoureuse. L'autre événement important est en lien avec cette vidéo et c'est le Zoom que j'organise dimanche 22 janvier à 20h. Et dans ce Zoom, je vous donnerai les 6 clés dont vous avez besoin avec moult détails pour attirer la bonne personne cette année. Vous trouverez les infos ci-dessous. Trouver l'amour en 2023, cessez de prendre des pseudo-bonnes résolutions et agissez. Je parle de bonnes résolutions dans la mesure où il est de bon ton chaque année de se souhaiter une excellente année et dans cette logique de prendre des bonnes entre guillemets résolutions. Ça fait du bien, ça permet de se rassurer sur le fait que cette année les choses vont changer. Et d'ailleurs, ce qui est assez amusant, c'est que tous les coachs reconnus, ceux qui ont des millions de vues, vous disent oui, cette année, c'est la bonne, foncez. Sauf que d'année en année, rien ne change. Pourquoi? On peut vous raconter toutes les histoires de neurosciences, d'auto-sabotage, de PNL à 2 balles appliquées au changement. La réalité, c'est que la raison pour laquelle vous ne pouvez pas tenir vos résolutions, et plus particulièrement en amour, c'est que tout simplement, il y a 2 effets qui ne sont pas qui se coulent parce qu'ils sont négatifs. Le premier effet consiste à ne pas connaître l'origine des blocages qui vous empêchent de pouvoir inviter dans votre vie la bonne personne. Et si vous avez un programme qui vous dit tu n'as pas le droit, tu es nul, tu ne vaux rien, ne fais pas mieux que moi, toutes les femmes sur plusieurs générations ont vécu la misère en amour, ça marche dans les 2 sens, vous l'avez compris, homme comme femme, forcément vous ne pouvez pas concevoir que ça fonctionne. Donc vous allez avancer de 2 pas en avant, reculer d'un pas, puis 2 pas en avant, puis reculer d'un pas. Donc vous allez effectivement arriver à un semblant de quelque chose, mais à quel prix? Et tellement laborieusement. La deuxième raison, c'est un mélange de méconnaissance des règles du jeu amoureux et surtout de quelque part attendre que ça se présente tout cru et de finalement refuser ou ne pas vous autoriser ou ne pas savoir passer à l'action. Et si vous cumulez le fait que vous n'avez pas le droit au fait que vous ne faites pas, dans un an vous êtes au même point. Et comme j'imagine que ça fait déjà un certain nombre d'années que vous prenez des bonnes résolutions pour attirer la bonne personne ou sortir d'un couple toxique et que rien ne change, il est temps de passer aux choses sérieuses. Je vous invite à faire un petit exercice rapide mais qui nécessite quand même un papier et un crayon. Et vous écrivez sur la page de gauche le nom des personnes qui ont compté dans votre vie. Alors quand je dis compter, ça peut être une longue histoire d'amour ou une petite aventure qui vous a profondément marqué. Vous avez en général entre 2 et 5 noms. Si vous en avez 10, ok, allez-y, gardez les 10. Et je vous rappelle que ça marche avec les femmes aussi. Et sur la colonne de droite, vous allez mettre de manière très précise les sensations que vous avez ressenties lors de la relation quand tout allait bien. Et au moment de la rupture, ça va donner par exemple Jean, très confortable, très rassurant. Rupture, cool, je suis partie, je m'ennuyais. Louis, relation tendue, rapport de force. Sensation de perte, sensation de tristesse, de solitude et d'angoisse au moment de la rupture. Sylvain, relation qui avait l'air paisible et réciproque. Rupture brutale, non attendu, et là je me sens comme si on m'avait arraché un membre. Je continue, Romain, compliqué, problématique, addict, peu importe à quoi. Et au moment de la rupture, déchirement, moult retours et départs, difficulté à rompre, j'étais très attachée. Et entre le moment où la décision de la rupture a été prise et la fin, ça a pris 1 an. Maintenant, ce que je vous invite à faire une fois que vous avez décortiqué en quelques mots
les points essentiels de ces relations qui ont compté, c'est de voir quel est le point commun entre ces hommes. Bien sûr, c'est vous, mais surtout quel est le point commun du ressenti. Et vous allez vous rendre compte que finalement, d'une manière ou d'une autre, pour des raisons différentes, soit parce qu'au départ, vous y êtes allé un peu en vous forçant, et du coup, vous vous êtes dit, il est bien, même s'il ne me fait pas grimper au rideau, et vous avez un peu subi. Donc, la rupture était évidemment prévisible. Soit au contraire, parce que vous êtes rentré dans une histoire tendue, intense, comme on dit, mais avec beaucoup de rapports de force, ou de fuite, ou de comportements inexpliqués. Et il y a fort à parier que le point commun au moment des ruptures, pour ceux qui ont compté le plus, évidemment, et qui vous ont marqué d'une manière indélébile et érotique, c'était donc une sensation d'abandon, ou de solitude, ou de déchirement, ou de tristesse, ou de colère. Peu importe. Ce qui compte, c'est que les mots que vous aurez identifiés par rapport à ces êtres qui vous ont marqué vont vous donner des pistes pour pouvoir réussir votre prochain casting. Et c'est ce que nous allons développer lors du prochain webinaire. Non seulement nous allons voir rapidement les trois points qui reviennent le plus souvent par rapport aux ruptures brutales et douloureuses, mais je vais vous donner concrètement des outils pour ne pas choisir un prochain partenaire par défaut, parce que vous vous sentez seul, parce que vous en avez marre de chercher, parce que l'autre a l'air de vous aimer, même si, pour autant, vous ne pouvez démarrer une histoire qu'avec une personne qui veut bien de vous. Et cette personne qui veut bien de vous va passer dans l'entonnoir. Ce qui fait qu'à la fin, il en restera entre 1 et 3. Entre 1 et 3. Et de toute façon, c'est lié à ce que vous êtes, à ce que vous dégagez, et aussi au type de personne que vous vous autorisez à accueillir dans votre vie. J'ai longtemps entendu dire que le mouton à 5 pattes n'existait pas et que par conséquent, on ne pouvait pas le trouver. Et bizarrement, lorsque j'étais plus jeune, je devais avoir environ 30 ans à l'époque, j'étais déjà maman, etc. J'avais une amie avec laquelle j'avais participé à de nombreuses soirées pendant ma vingtaine, qui avait trois obsessions. Le type devait avoir fait polytechnique, il devait avoir un nom à rallonge, et je n'ose pas dire être bien élevé, puisque c'était implicite à l'époque que quelqu'un qui avait un nom à rallonge venait d'une enfance au château, et je vous renvoie au livre sur le sujet. C'est un livre très intéressant, même s'il date un peu, c'est de la sociologie. Et elle avait comme autre critère que cet homme veuille l'épouser et lui faire des enfants. Eh bien, figurez-vous que pendant 10 ans, je l'ai regardé d'un air un peu narquois, genre ma pauvre fille. Je ne lui disais pas, évidemment, tu cherches le mouton à 5 pattes comme il n'existe pas, je rigole. Elle a mis 10 ans, certes, et elle m'a annoncé son mariage avec un polytechnicien au nom en rallonge. Donc, objectif atteint. Vous pouvez remplacer le polytechnicien par un électricien ou par un artiste ou par un youtubeur. Vous pouvez remplacer polytechnique par une compétence telle le cinéma, la charcuterie ou la peinture. En revanche, la notion d'engagement, elle, ne change pas. C'est pour vous dire que l'intérêt d'avoir un peu vécu, c'est qu'on connaît mieux la vie. En tout cas, en ce qui me concerne, 1, je connais mieux la vie, et 2, je suis capable de nuancer des choses qui pour moi ont été beaucoup plus imposantes il y a quelques années. J'ai envie de vous dire, si vous avez un objectif précis, vous avez le droit d'y croire. Et vous avez le droit d'éliminer celles et ceux qui ne correspondent pas à vos critères. Après, toute la nuance consiste à se positionner de manière juste entre l'exigence prétentieuse de la fille qui veut épouser le sosie de Brad Pitt à l'âge qui lui correspond, célibataire sans enfant, prêt à s'engager avec vous, alors que par ailleurs toutes les filles du monde le veulent, vous l'avez compris, c'est une caricature, et la posture de la mendiante de l'amour, celle qui, pour obtenir un peu d'attention, va ramper pour un homme qui de toute façon ne fera rien d'autre que de l'utiliser. Si je sors de ces deux caricatures, il nous reste que lorsque vous allez vous mettre à la recherche de la personne qui vous correspond, respectez vos critères. Ne vous obligez pas à embrasser quelqu'un qui ne vous plaît pas. Ne vous obligez pas à vous mettre au niveau de quelqu'un qui n'a pas forcément votre conscience, ou vos revenus, ou encore l'éducation dont vous avez besoin pour vous sentir à l'aise. Respectez-vous, faites-vous respecter, collez à vos critères, mettez en place la méthode Terminator pour ne pas faire d'erreur dans la fameuse jungle des rencontres, et rejoignez-nous au Zoom du 22 janvier 2023 à 20h. Et vous, est-ce que vous avez aussi parfois fait des choix par défaut? Par exemple, pour avoir des enfants parce que le tic-tac était important. Est-ce que vous avez cherché la perle rare sans jamais la trouver? Est-ce que parfois vous vous sentez princesse et vous pétez plus haut que votre cul? Ou est-ce que au contraire, vous vous sentez Cosette et vous êtes misérable? Dites-le moi dans les commentaires, je serai ravie de vous répondre. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci de la liker si elle vous a plu, de la partager si vous pensez qu'elle peut plaire à des personnes de votre environnement. Et à très vite pour une nouvelle vidéo ou un nouvel audio.